de faire des fermes des lieux d'observation classiques et où les naturalistes se sentent aussi les bienvenus et où ils peuvent apprendre beaucoup du monde paysan, parce que c'est vraiment dans les deux sens que ça fonctionne, ça serait génial, mais souvent ce qui manque c'est l'outil qui peut aussi faire l'intermède. En fait, ce que je trouve chouette, c'est quand on fait du tracteur. En fait, on fait des allers-retours avec une grosse machine qui fait plein de bruit. Et là j'avais le gros avec une cabine et tout ça. Les oiseaux, ils n'ont pas peur du tracteur. Et on ne les voit jamais d'aussi près que sur un tracteur. Et donc, ils sont des fois juste devant la grosse roue, juste à côté. Je passe à côté. Ils ne bougent pas, en fait, parce qu'ils viennent... Bah, quand là, j'étais en train de labourer. Et donc, ils viennent manger les vers de terre, tout ce que j'embête dans le sol. Et on adore ce moment, c'est quand on va leur montrer ces vidéos, parce qu'ils sont très loin d'imaginer ce qui circule chez eux de jour, mais surtout de nuit. Parce que voilà, ils n'imaginent pas qu'il y a autant de blaireaux et autres. Bon, là, c'est de jour, mais... Et en fait, vous voyez la qualité des images, donc bah, ils rentrent dans le sensible, en fait, dans l'émotion, et ça, c'est important pour nous. Et puis, c'est aussi une étape intermédiaire, parce qu'on va continuer à les accompagner, s'ils le souhaitent, sur d'autres aménagements. Et voilà, donc j'aimerais bien monter typiquement un club CPN sur ma ferme, connaître et protéger la nature, je sais pas si ça te parle. La vérité, c'est que c'est pas tant que j'adore faire de l'animation avec les enfants, c'est surtout que moi, les ateliers que je vais leur proposer, j'ai envie de les faire moi. J'ai envie de me balader dans mes prairies avec mon fil à papillons, j'ai envie de réfléchir à quelle bestiole j'ai chez moi, quel est leur lien avec la production que j'ai, avec les milieux naturels sur ma ferme. Et voilà, et l'idée de l'inclure dans mon modèle, c'est aussi voilà, l'idée de pouvoir continuer à le vivre. Après s'être plongé dans les origines du réensauvagement paysan, puis avoir exploré comment se sont constitués les premiers réseaux de fermes sauvages, nous allons entendre dans cette dernière partie comment, en tant que ferme, vous pouvez être accompagné dans l'accueil du vivant. On pourrait aussi dire comment, en tant qu'humain, on peut faire en sorte d'être le mieux accueilli par le reste du vivant, avec les exemples de structures accompagnantes comme l'Hirondelle au Champ, Paysans de Nature ou encore la LPO. Vous allez comprendre que chaque structure d'accompagnement prend soin de nourrir la graine de l'installation agricole et c'est aussi une thématique que nous aborderons. Enfin, on verra les questions brûlantes que se posaient les paysans et paysannes présents durant cette journée du 22 février et comment créer ou rejoindre un groupe local. Je remercie les personnes qui m'ont fait des retours sur les deux premières parties. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur YouTube ou sur Spotify, ça me fait toujours super plaisir. Je m'excuse pour la qualité de l'enregistrement parfois, prendre du son dans un amphithéâtre est un sacré défi. Belle écoute. Gracias, mamá, madre tierra. Gracias, Pachamama. Gracias, mamá, madre tierra. Gracias, Pachamama. Et Hirondelle au Champ, ça vient d'un dicton paysan. Et Hirondelle au Champ apporte joie et printemps. Donc j'espère qu'à la fin de ma présentation, vous comprendrez mieux pourquoi on a choisi ce dicton, vous me direz. On a surtout un slogan qui est « La biodiversité au cœur de l'agriculture ». Il y a un tout petit jeu de mots, une petite subtilité, c'est-à-dire au cœur, au centre, au milieu. Mais en fait, on joue aussi sur le terme « cœur », c'est-à-dire qu'on aimerait que ce soit dans le cœur des agriculteurs. Sabine Couvent, paysanne naturaliste, est l'une des fondatrices de l'Hirondelle au Champ. Depuis 10 ans, l'association accompagne les fermes pas à pas dans la mise en place d'aménagements favorables aux vivants. Il faut imaginer un amphithéâtre rempli de 150 personnes et Sabine illustrant les missions de l'asso avec quelques images. Dans mon expérience à la fois de paysanne et à la fois d'agricultrice, je me suis dit qu'il y a un manque d'informations chez les paysans et je pense que vous n'allez pas me contredire. On côtoie énormément des espèces, mais on ne sait pas forcément ni les identifier, ni savoir surtout à quoi elles servent, en fait. Prédateur de qui, de quoi, qu'est-ce que ça mange, comment, où ça se trouve. Un de nos axes principaux de travail, c'est d'éditer une petite revue. Certains l'ont vu sur le lieu où on a des documents, ça s'appelle l'Hirondelle. C'est un outil de travail qu'on vous propose, il y a un thème à chaque fois, d'identifier les espèces. Voilà, de savoir ce que vous avez dans vos parcelles. On s'adresse aux paysans, en plus, je ne sais pas si vous avez lu les articles, mais on parle, on va dire, entre nous.
Et surtout, on amène des dossiers sur à quoi ça sert, qu'est-ce que ça mange, qu'est-ce que ça m'amène dans mes cultures et comment je fais pour les faire venir. Donc on essaye en fait de faire le bouger des leviers en se disant, ok, on fait un pas de côté. En fait, les serpents, on se dit finalement, peut-être ça sert à rien. Et en lisant ces articles, c'est très précis et concis. Peut-être que ça donne des outils de travail. Et on sait par ailleurs sur les retours que certains paysans attendent de recevoir cette revue par la poste et de se dire, ok, qu'est-ce que je mets en place? Parce qu'après, on a des fiches pratiques, comment construire un pierrier ou comment, à quoi ça va servir et à combien ça coûte. Deux numéros par an, c'est pas beaucoup, mais ça a le mérite d'exister. On est sur le numéro 13 sur le renard et le 14 sur les amphibiens et les mares. On accompagne une quinzaine de fermes localisées autour du centre de la Drôme. Donc on va aller jusqu'à Montélimar, Cray. Donc il y a une première demande, ça c'est important, on en parlait aussi ce matin, ça vient d'une vraie démarche. On fait un état des lieux, c'est Leïla qui le fait, donc une dizaine de jours de travail avec le paysan en partant de ses besoins et surtout sa problématique. On essaye de voir le potentiel d'accueil de la faune sur sa ferme. Qu'est-ce qu'il y a et surtout qu'est-ce qu'il n'y a pas? Enfin, on essaye d'amener une réponse basée sur la nature. Voilà, il y a un des soucis sur les campagnols. Qu'est-ce qu'on peut amener, nous, comme rapaces, nocturnes, diurnes? Est-ce que les reptiles peuvent être présents? Est-ce que les petits mustélidés, belettes, hermines, peuvent revenir sur la ferme et rapporter des solutions basées sur les dégâts causés par les rongeurs? La nature peut être une source de solutions. Vous l'avez mis de côté pendant un certain temps, c'est pas grave. Mais maintenant, on fait autrement, ensemble. Donc on fait une liste de propositions avec eux, sur lequel on retravaille, évidemment, parce que souvent, ça peut être trop, parce qu'on a tendance quand même à s'emballer. Allez, on met 100 nichoirs, 25 perchoirs, on va creuser des mares partout. Donc souvent, ils nous disent, bon, on va peut-être commencer par une mare. Bon, d'accord, mais deux l'année d'après, bon, voilà. Et puis surtout, comme j'en parlais tout à l'heure, il va falloir du financement derrière. Donc on fait à peu près entre 5 et 7 diagnostics par an, et on accompagne 5 fermes. C'est pour ça que la distance, y a aussi, comme on en parlait, la convivialité, les échanges, mais pour nous, c'est aussi une distance de travail, parce qu'on va y aller souvent. On fait énormément de chantiers de bénévoles, ça c'est hyper important. Aussi parce que le paysan va pouvoir parler de sa démarche, donc nos adhérents, non-adhérents, enfin qui veut, les gens viennent nous rencontrer, et on travaille sur des moments collectifs comme ça. Là, c'est une bénévole qui a pris quelques images. On est sur la ferme de Joseph Crichel, mais il n'est pas là, mais on est... Voilà, donc il est déjà en agroforesterie. Et on rajoute la partie biodiversité. On travaille beaucoup après avec la DAF sur... On prend la suite après les plantations d'arbres. Tout est lié, bien évidemment. Et on a la chance d'avoir un atelier de création de nichoirs. Donc ça, c'est une super force sur la ferme. Ça, c'est notre force. On a été soutenus par le département de la Drôme. Ils nous ont donné 6 000 euros pour acheter des matériels, les planches et autres. Et on construit ce dont on a besoin quand on en a besoin. Donc c'est super. Enfin, création de mares, bien évidemment. Comme un peu la LPO, on essaye de faire une par an. Parce que ça, c'est plus de mise en œuvre, vous imaginez, il faut la pelleteuse, les bâches, etc. Donc, trouver un endroit très pertinent, loin des routes, donc c'est beaucoup plus technique. Beaucoup de création de pierriers, on est vraiment très... C'est marrant, ça se présente comme ça, on est très focus sur les reptiles et les petits mustélidés. Surtout peut-être parce qu'on bosse beaucoup avec des maraîchers, donc voilà. Donc ces espèces, c'est peut-être un petit peu négligé ou méconnu, et en fait, elles ont un rôle très important dans les cultures, donc on en parle énormément. On a vraiment à cœur de vérifier si tout ce qu'on fait fonctionne. Alors, on a ce qu'on appelle la partie de suivi, avec des caméras automatiques, des endoscopes, si vous connaissez, c'est ces petites caméras qu'on met au bout d'un fil. On fait un retour aux agriculteurs qui nous ont fait confiance. Et on adore ce moment, c'est quand on va leur montrer ces vidéos, parce qu'ils sont très loin d'imaginer ce qui circule chez eux de jour, mais surtout de nuit, parce que voilà, ils n'imaginent pas qu'il y a autant de blaireaux et autres. Bon, là, c'est deux jours, mais... Et en fait, vous voyez la qualité des images, donc ils rentrent dans le sensible, en fait, dans l'émotion, et ça, c'est important pour nous. Et puis, c'est aussi une étape intermédiaire, parce qu'on va continuer à les accompagner, s'ils le souhaitent, sur d'autres aménagements. Donc ça, c'est notre fierté. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la jeunette. Bon, allez chez moi, allez, j'ai le droit de le dire. le blaireau, bien sûr. Voilà, et les chevêches qui rentrent dans nos nichoirs, et... Merci. Ouais. Donc voilà, c'est pour. Donc j'espère que j'ai réussi à vous convaincre pourquoi on appelait. On avait choisi ce dicton joie et printemps parce que nous, on est vraiment. Enfin, notre cœur de métier, c'est vraiment amener du positif sur la biodiversité. À quoi ça sert? C'est vraiment utile.
Et surtout, on était en AG la semaine dernière, je finirai là-dessus, et plusieurs paysans étaient présents, ils ont accepté de témoigner, ils nous ont dit que ça leur amenait vachement de bien-être et de satisfaction, alors déjà personnellement, mais aussi vis-à-vis de leurs clients, de dire qu'ils faisaient tout ça et que la faune revenait. Et grâce à ces images, eh bien, ils peuvent montrer à leurs amis, ils font peut-être des petites soirées entre eux, je ne sais pas. Vous venez d'entendre Sabine expliquer qu'une certaine Jeunette a élu domicile sur sa ferme. Comme mes connaissances naturalistes sont encore assez limitées, j'ai été voir qui est cette petite Jeunette. Il s'agit d'un petit mammifère carnivore nocturne qui vit et chasse généralement près des points d'eau, des taillis et des forêts denses. À présent, je vous propose d'écouter Maxime Zucca, coordinateur du projet Réensauvager la ferme, et Mathieu Vasselin, paysan naturaliste, expliquer comment le paysan peut, en agissant sur le paysage, faire revenir certaines espèces. On aborde aussi l'importance des placettes d'écarissage sur le territoire où Mathieu élève des chèvres, les Hautes Corbières en Occitanie. En France et dans l'Europe de l'Ouest, on a perdu la plupart de la mégafaune qu'il y avait avant. Et donc on a des milieux beaucoup plus boisés qui étaient avant généralement plus pâturés, et donc avec beaucoup plus de mosaïques de milieux ouverts. Et c'est des fonctions qui ont été remplacées par les animaux domestiques. Et sauf que au cours du dernier siècle, il y en a une déprise importante en matière d'élevage, notamment pastoral, parce que moins rentable, parce que beaucoup plus pénible. Et donc ce genre d'action, elle est quand même essentielle, même s'ils sont sur des milieux à forte naturalité, elle a un impact énorme sur la diversité floristique, faunistique, et d'ailleurs à tel point qu'on voit que partout, les gestionnaires d'espaces naturels sont en recherche d'éleveurs pour recréer ces milieux, pour recréer l'équivalent de cette pression d'herbivorie qu'on a perdue. Oui, on a gagné des espèces d'orchidées, des coupes d'alouette lulu, enfin... Des coupes d'engoulevent justement en maintenant cette mosaïque de milieu ouvert. Par le simple fait de réintégrer l'élevage. Ouais, c'est ça, ouais. Tout en posant aussi les jalons au bon endroit, parce que si tu pâtures trop longtemps, machin truc, tu détruis une autre partie du vivant. Et est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples de pratiques qui ont été mises en place pour réensauvager et de résultats que vous avez vraiment pu voir chez nous? Ouais. Ouais, les placettes la mise en place d'une placette collective d'écarissage qui, en dehors de l'aspect accès à une solution trophique pour les rapaces nécrophages, c'est aussi cette dynamique collective et une finalité qui est intéressante par rapport à la mort de nos animaux d'élevage, de dire que ça part pas dans le système classique et industriel de l'écarissage où, à grand renfort de pétrole, on fait rouler des camions pour faire cramer des cadavres. Et ce que tu disais ce matin, c'est qu'il y a des agriculteurs qui étaient contre le vautour, entre guillemets, qui aujourd'hui sont sur la liste d'attente pour accéder à ces plateformes. Quoi. Ouais. Le problème de l'agriculture, c'est le même problème qu'il y a partout, c'est que tu chasses l'obscurantisme et le corporatisme revient au galop et vice-versa. Et en fait, au départ, c'est ça. Il y avait des mecs, genre les vautours, ils attaquent. Et en fait, c'est ces gens-là qui, il y a 12 ans... étaient entre guillemets en tire-vautour par principe et qui demandent maintenant avoir leur placette. Alors après, c'est pas que un truc de démarche écologique, c'est aussi que les placettes d'écarissage naturel, ça a un impact aussi financier, parce que ça minore ta CVO, ta contribution volontaire obligatoire à l'écarissage que tu payes pour chaque animal que tu as. Du coup, si tu as une placette, tu gagnes un peu, tu économises un peu de l'argent. Tu noteras le nom quand même, contribution volontaire obligatoire. Un mec dans un bureau à Paris qui a pondu ce truc-là. Salarié à la LPO depuis 2017, en contact régulier avec Paysans de Nature, Emmanuel Valisset a créé un groupe local dans les Monts du Lyonnais en regroupant différents paysans et paysannes. Et il anime des chantiers participatifs et autres types d'événements pour sensibiliser le grand public. Du coup, moi, j'ai travaillé à la LPO depuis 17 ans maintenant. Et du coup, quand j'ai commencé à bosser à la LPO, dans les premiers dossiers que j'ai suivis, il y avait des travaux sur la chevêche d'Athéna et on avait des réunions régionales. Et là, j'ai rencontré Sébastien Blache, qui était en train de s'installer, qui était déjà un pied dedans, un pied dehors. Ce discours était intéressant, son approche, et voilà, ça fait partie des choses qui m'ont un petit peu... ça m'est un peu rentré dans la tête.
Parce que moi, je suis issu d'une famille de paysans, mais pour des raisons familiales, il se trouve qu'il n'y a pas eu de reprise pour mon père ni pour moi derrière. Donc du coup, c'est parti à l'agrandissement, des histoires comme ça. Je passe régulièrement mes vacances dans le Marais breton. Donc j'y ai fait des rencontres. Et voilà, donc du coup, ça a été l'occasion d'échanger avec les uns et les autres là-bas et de pareil, ils me sont rentrés un peu dans la tête. Et au final, ce que j'ai eu envie derrière, c'est de pouvoir transmettre ça avec tous les agriculteurs avec lesquels on travaillait, nous, dans la Loire. Des gens qui étaient très sensibles à ces questions-là, pas forcément naturalistes. Il y en a quelques-uns qui ne connaissaient pas forcément le réseau Paysans de Nature. Ben, à force d'en discuter, d'échanger avec les uns et les autres, on s'est retrouvés confrontés à un problème un peu similaire avec celui de l'Allier. C'est qu'on avait des gens qui étaient à 2 heures de route les uns des autres, voire plus, et qui étaient emballés par les mêmes approches. Donc ça, c'était juste pas compatible avec le développement d'un groupe. Donc ça a végété, l'animation du groupe a végété, les actions continuaient dans les fermes, des chantiers, des sorties grand public, des petites formations naturalistes, des inventaires participatifs, mais de façon complètement isolée et éclatée. Et puis, y a un agriculteur qui, individuellement, s'est adhéré à Paysans de Nature. Et il se trouve que c'était un copain d'amis à moi, et qui habitait dans les communes limitrophes, et tous des paysans. Et du coup, je me suis dit, bon, ces gens-là, ils sont sensibles, je vais aller voir si on ne peut pas raccrocher à cette locomotive tous mes amis, on va dire, ou connaissances qui habitent à côté et qui sont un petit peu, on va dire, prêts à franchir le pas, ouais, qui ont des démarches et des réflexions au niveau agroécologie, mais qui n'ont pas forcément, à ma connaissance, qui n'avaient pas forcément une approche sensible par rapport au vivant et qui ne le voyaient pas comme étant forcément un pilier central dans leur activité. Et du coup, j'ai chaussé le rôle un peu qu'a eu Sébastien ou qu'ont eu d'autres gens dans les Pays de la Loire à mon tour. Et puis du coup, j'ai commencé à leur parler du réseau, de ce qui pouvait se faire, de la philosophie ou de la démarche, on va dire, de faire une place différente et de porter un autre regard sur le vivant. Et ce groupe-là, c'est petit à petit constitué. Pour l'instant, il n'y a pas encore de signature, mais les démarches sont en cours. Et ça fait maintenant 3 ans qu'on les accompagne les uns et les autres pour des petits chantiers participatifs, des animations, des actions avec le grand public, des inventaires. Et du coup, on est descendu à 25. Il y avait 14 ou 15 paysans et 2-3 porteurs de projets. Et on a fait un petit voyage chez Sébastien. C'était hyper enrichissant. Les gens sont remontés, reboostés. Et ce qu'on a pu aussi retenir de ces derniers échanges, c'est qu'il était hyper important qu'il y ait du lien régulier entre les paysans, qu'ils puissent être force de proposition de temps conviviaux, de temps d'échange entre eux. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de construire avec notre groupe. Est-ce que vous avez pensé à solliciter la Ligue de protection des oiseaux dans votre secteur pour vous faire accompagner dans le réensauvagement de votre ferme? Florian Boulisset est chargé de mission agriculture à la LPO Drôme Ardèche, qui a co-organisé la journée du 22 février. L'association propose un accompagnement individuel et collectif de réseaux de fermes ou de structures agricoles associatives comme Terre de Liens ou les CIVAM, ou même les services de l'État comme la DDT ou la DRAF. Dès que possible, la LPO intègre dans ses accompagnements des chantiers bénévoles et collabore avec les naturalistes du coin. Toujours, l'objectif est de tisser des liens, créer des alliances entre nous, comme l'avait si bien dit Baptiste Morisot dans la première partie de ce reportage. Donc les mares, jusqu'ici, on en faisait en moyenne une ou deux par an. Là, on a déposé pas mal d'appels à projets. On espère pouvoir monter un petit peu en puissance là-dessus sur les 2 années qui viennent. On en saura plus dans le printemps. Donc là, on a pas mal de fermes qui sont dans la salle avec lesquelles on a des chantiers en suspens de ces questions de financement. On espère que ça va se débloquer assez vite. Et puis, les chantiers participatifs nichoirs, qu'on développe assez régulièrement. Là, on en fait entre 5 et 10 par an.
donc 5 et 10 fermes sur lesquelles on va développer, on va faire une grande quantité de nichoirs, alors pas autant que d'autres acteurs, je pense à Brice notamment, qui va vraiment faire un grand nombre de nichoirs par ferme, on en fait peut-être un petit peu moins. On essaie quand même de faire ça sur entre 5 et 10 fermes par an, et puis on complète ça par des actions ciblées sur d'autres espèces, avec notamment des actions assez importantes de pose de nichoirs à chouettes et frais, puisque dans les 3-4 dernières années, on doit être à peu près à au moins une bonne soixantaine de nichoirs à effraie posés dans des fermes sur la Drôme et l'Ardèche. Donc, c'est des actions quand même assez importantes pour nous, quoi. Et puis, au sens aménagement, il y a d'autres choses qui sont un peu moins connues et développées jusqu'ici, là, qu'on met en place beaucoup depuis cette année. C'est de la réhabilitation de bâtis agricoles, notamment avec des actions qu'on a développées avec la Fondation du patrimoine, un programme qui s'appelle Bâti rural et biodiversité. Et actuellement, on a attaqué la rénovation de 3 cabanons de vignes qui vont être destinés à essayer d'accueillir des colonies de chauves-souris, notamment de rhinolof. Et donc là, l'idée, c'est qu'on remet ces cabanons en état, on change la toiture, on adapte les ouvertures pour que les chauves-souris puissent rentrer, établir leur colonie et se sentir bien dans ces cabanons-là. Et puis, on va également mettre pas mal de petits aménagements autour, des nichoirs, etc., pour que ça puisse profiter à d'autres espèces, à des moineaux, de la huppe, de la chevêche, etc. Et puis, dans certains cas, là, j'ai mis un autre petit chantier qu'on a pu réaliser à Huppy, à côté d'ici, avec de l'adaptation, des petits aménagements sous une colonie de petits rhinolophes qui avaient eu la bonne idée de s'établir au-dessus d'un moulin à farine. Donc je vous laisse imaginer un petit peu le type de désagrément que ça peut causer avec un agriculteur qui avait très très envie de les garder, mais quand même quelques soucis d'ordre sanitaire et d'ajout de ferment dans la farine, on va dire. Et on a fait un petit aménagement pour que les rhinos puissent rester au-dessus, à l'endroit qu'ils avaient choisi, sans qu'il y ait de dégradation, enfin sans qu'il y ait de problématique pour la production de farine derrière. Des actions avec les lycées agricoles. Donc là, vous voyez le lycée du Valentin qui est en train de visiter les vignes du domaine de Lorient avec une vache qui pâture dans les vignes. Donc ça permet de sortir, de faire voir d'autres systèmes à un maximum d'élèves des formations agricoles. Et aujourd'hui, je pense qu'on travaille à peu près avec tous les lycées, centres de formation en Drôme et en Ardèche de manière plus ou moins régulière en fonction des établissements et des formations. Mais on essaie de développer ce type d'action et de sortir les élèves, de les emmener sur des fermes, d'essayer de leur faire comprendre là aussi les liens entre l'agriculture et la vie sauvage, et de leur montrer que c'est pas forcément une opposition et que ça peut être parfaitement bénéfique, viable économiquement, techniquement, et très intéressant, y compris d'un point de vue vie sauvage, espèces présentes, etc. Et donc on essaye d'avoir vraiment une vision complète avec ces élèves-là pour qu'ils puissent repartir en changeant un petit peu. Ça change de ce qu'ils ont l'habitude de voir dans pas mal de formations, quoi. On va essayer de monter des programmes d'animation scolaire autour de la nature, de la vie sauvage dans les fermes. On a beaucoup de demandes des fermes dans ce sens-là. On a une équipe d'animation dont c'est le métier et la passion. Perrine Dulac, secrétaire de l'association Paysans de Nature, présente le Dialogue Permanent pour la Nature, un outil qui permet de faire de la ferme un espace de dialogue entre paysans, citoyens, naturalistes, pour faire évoluer notre vision du vivant. Donc c'est un peu un point central de nos discussions sur le terrain, entre paysans, naturalistes et habitantes et habitants. L'idée, en fait, on l'a piquée au système participatif de garantie, et notamment à Nature et Progrès, parce qu'on trouve que ces dynamiques territoriales et transversales, elles sont intéressantes pour l'appropriation des sujets dans les territoires. Et du coup, on a repris l'idée de Nature et Progrès, des systèmes participatifs de garantie, et on y a mis une forte coloration biodiversité. L'idée, c'est d'aller parler de biodiversité sur les fermes en deux temps. Donc, quand je dis parler de biodiversité, c'est parler de biodiversité entre nous pour faire progresser notre conception de notre rapport au vivant,
pour faire progresser la biodiversité dans les fermes, pour faire progresser aussi les habitants du territoire sur ces questions d'agriculture, d'alimentation, de paysage, de biodiversité. Et en partant, vraiment, c'est hyper important, en partant du ressenti et des envies des paysans, et pas en partant du diagnostic et de l'expertise naturaliste, qui souvent nous amène dans des espèces de confrontations stériles, où on dit « Ah, ben, tu devrais faire ça, ah oui, mais je peux pas ». Et moi, ça, je l'ai vécu plein de fois quand j'étais salariée LPO dans mon ancienne vie. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'avoir un dialogue ouvert plus que d'être en mode diagnostic. Donc, ça se passe en deux phases. Il y a une première phase sur le terrain où chacune des fermes qui participent est visitée. Et à cette visite, il y a un autre paysan, une autre paysanne et un habitant du territoire ou une habitante, qu'ils soient naturalistes ou pas. Donc, tous les gens sont les bienvenus, notamment les gens des réseaux de consommatrices, consommateurs, enfin, tous les gens qui s'intéressent à ces questions, en fait. Donc, il y a une première phase sur le terrain où on va aller discuter de ce qui fait sens pour la biodiversité. Ça peut être comment on gère une prairie, comment on crée une nouvelle haie, comment on transforme une culture en prairie, comment on gère un ruisseau, enfin, plein de choses. Ça peut être aussi qu'on se questionne sur moi, je prends de l'aliment pour mes poules qui vient de je ne sais pas qui, chez Mercier Bio, ça ne me satisfait pas, j'ai envie de changer, voilà. Mais c'est vraiment un espace de dialogue ouvert. Et après, il y a une phase 2 en commission de restitution qui s'appelle la commission de progrès biodiversité. Alors, dans ces commissions de restitution, on examine 5 ou 6 fermes. Il y a tous les gens qui ont été visités, tous les gens qui sont visiteurs. Chaque ferme fait l'objet d'une discussion pendant une heure. Il y a un rapportage où la personne qui a fait l'enquête explique comment marche la ferme, quels ont été les sujets de discussion autour de la biodiversité. Et après, il y a un dialogue avec toute la salle. Et donc, ce qui est hyper important dans ces commissions, c'est qu'il y a des paysans qui sont un peu déjà dans tous les systèmes et aussi à tous les niveaux de leur implication pour le vivant et de leur façon de voir le vivant. Et ça permet de lever plein de freins, sur parfois des freins techniques qu'on a quand on est paysan et qu'on se dit non, mais ça, c'est pas possible. Et en fait, quand il y a des copains qui ont essayé, ça peut permettre de lever des freins. Et les citoyens, ils peuvent poser aussi des questions de néophytes qui, des fois, permettent d'ouvrir des portes. Et lors de cette réunion, il y a aussi un espèce de référent naturaliste qui connaît bien les enjeux du territoire, mais qui connaît aussi bien les enjeux de l'agriculture et qui est un peu chargé d'apporter des éléments complémentaires en cas de besoin. L'objectif étant, à la fin de cette commission de progrès, d'aboutir à une boussole où on écrit dans 4 cadrans de la boussole 2, 3, 4 points de progrès sur la ferme. L'objectif, c'est que la paysanne ou le paysan soit OK pour mettre en œuvre cette marge de progrès dans le temps qui lui est imparti, c'est-à-dire actuellement on est sur une fréquence de 2 ans parce qu'on n'a pas les moyens d'en faire plus. Par exemple, c'était un élevage bovin qui finissait ses vaches à l'enrubanage en hiver. On sait que l'enrubanage, c'est une technique qui est un peu délétère pour la biodiv et aussi en termes de mécanisation et de plastique. Du coup, là, l'idée, c'est que la personne n'était pas prête à supprimer son enrubanage, mais était prête à commencer à réfléchir sur l'abandon de l'enrubanage. Donc, l'idée, c'est réduire la moitié de la surface enrubanée et participer à une formation pâturagiste. Donc, pâturagiste, c'est un réseau d'éleveurs et de techniciens qui travaillent sur le pâturage des végétations spontanées autres que l'herbe, donc notamment sur la valorisation de tout ce qui peut être, par ailleurs, des infrastructures agroécologiques dans les fermes, donc les haies, les buissons, les roselières, les herbiers de salicorne, pour les gens de l'ouest de la France. La partie biodiversité, c'était un engagement pour les roselières. Il y a aussi une partie description, une partie amélioration. Donc là, la description, c'était que la ferme faisait déjà 2 sorties nature chez elle, mais qu'elle souhaitait inviter d'autres gens que du public strictement LPO à ces sorties nature, donc voilà, pour faire de la mixité. Et l'autre truc, c'était accueillir un stagiaire pour travailler sur le sujet roselière. Mais accueillir un stagiaire, c'est aussi potentiellement susciter une vocation de paysan. Donc là, c'est accueillir un stagiaire plutôt de formation environnement pour travailler sur la thématique roselière. Mais dans l'idée que le stagiaire va être à la ferme, va découvrir ce que c'est que la paysannerie et peut-être se dira « Ah tiens, mais si au lieu d'être chargé de mission dans un bureau d'études, je devenais paysan, ça pourrait être aussi une façon de gagner ma vie ». On a presque terminé le tour des exemples d'accompagnement possible vers le réensauvagement présentés lors de cette journée. Une dernière idée est partagée par Maxime Zucca. Pourquoi ne pas faire profiter à d'autres réseaux les outils développés par le projet Réensauvager la ferme ?
Et effectivement, là, l'idée, c'est de pouvoir étendre au moins la mise à disposition d'outils de restitution de ce qu'il y a comme faune et comme flore sur les fermes. En fait, moi, un petit rêve que j'ai, qu'on a, c'est que pour les fermes qui ont par exemple un site internet avec leur production, leur adresse, leur moyen de vente d'acheter des produits, etc., bah, qu'ils aient un onglet aussi la faune et la flore de ma ferme et qui renvoie automatiquement vers un site sur lequel des naturalistes qui viennent sur la ferme peuvent facilement renseigner les données. Comme ça, parce que les paysans paysannes, la plupart, ils n'ont pas le temps de faire des ops. Souvent, ils ne connaissent pas, mais même quand ils connaissent, ils n'ont pas forcément le temps. Mais de faire des fermes, des lieux d'observation classiques et où les naturalistes se sentent aussi les bienvenus et où ils peuvent apprendre beaucoup du monde paysan, parce que c'est vraiment dans les deux sens que ça fonctionne, ça serait génial. Mais souvent, ce qui manque, c'est l'outil qui peut aussi faire l'intermède et qui fasse vitrine sur le site internet. C'est l'ambition de Paysans de Nature, c'est que les paysans paysannes, ils aient le double objectif d'être des coproducteurs, du coup, et d'être aussi des hôtes pour le vivant. Ouais. En fait, beaucoup de questionnements ont émergé en fin de journée, qui, au-delà de la question de l'accompagnement au réensauvagement à la ferme, concerne les choix paysans en général. On a par exemple abordé avec Sébastien Blache la question de l'instabilité des politiques publiques. Mais commençons d'abord par la question d'un paysan du Diois, que vous entendrez à la fin de l'extrait, qui souhaite connaître la position des intervenants et intervenantes par rapport au crédit carbone, crédit biodiversité à venir, et plus globalement, la financiarisation de la nature, qui sont les nouveaux outils verts du capitalisme. Est-ce que cela ne risque pas de devenir un moyen pour l'agriculture industrielle de se servir de ces belles dynamiques pour faire perdurer son système ? Baptiste Morisot prend la parole en premier, puis ce sera le tour du paysan Mathieu Vasselin, puis Elsa Gartner, paysanne à la ferme du Grand Laval. Après, je vais être hyper provoque, hein. C'est où on fixe la frontière, donc la frontière entre le cacaburk du rachat de carbone et puis l'autre cacaburk qui est de l'autre financiarisation. Nous, personnellement, on a un groupe qui s'appelle l'Abattre Mobile dans l'Aude, qui est un groupe où on travaille sur un projet d'abattoir mobile. C'est la troisième fois là, récemment qu'on veut nous filer des centaines de milliers d'euros pour notre projet. On a clairement refusé en les envoyant se faire têter les yeux de manière tout à fait polie. L'argent propre, ça n'existe pas. L'argent propre, ça n'existe pas. Après, moi, je suis convaincu du truc, c'est qu'est-ce qu'on fait avec et comment on l'affiche et jusqu'à quelle tolérance on a de l'affichage qu'on a. Mais parce que si on creuse derrière, que ce soit de l'argent public ou pas, il faut dire, il est cacapeur aussi. Quand on fournit des armes au Yémen ou j'en sais rien, est-ce qu'on essaie de couvrir truc, l'argent total, je ne sais pas. Et après, c'est du coup où on met le curseur et où on met le truc. C'est-à-dire que si demain, n'importe quel fumier de gros trucs nous file des millions d'euros pour acheter 2000 hectares d'un seul tenant et installer que des bitniks paysans qui font du paysan de nature, parce qu'on n'a pas gagné quelque chose. Et du coup, c'est où on met le curseur. Et alors là, pour le coup, les débats, ils sont infinis. Mais très clairement, moi, je suis intimement convaincu que l'argent propre, c'est-à-dire l'argent, c'est de toute manière, c'est cacaburk. Qu'est-ce qu'on fait avec et comment on le vit après? Comment tu arrives à pas te faire des nœuds au cerveau Moi, je pense que il y a un débat qui est hyper important, hyper intéressant. Et pour moi, il y a des enjeux d'éducation populaire à la saleté de l'argent. C'est-à-dire éducation populaire et paysanne à la saleté de l'argent. C'est-à-dire que le problème de dire que tout l'argent est sale, c'est qu'à ce moment-là, on n'arrive plus à avoir des lignes rouges très claires sur les formes de l'argent. Et justement, la financiarisation, c'est quelque chose de très particulier. L'élection des crédits, c'est quelque chose de très particulier. C'est pas la même chose que l'argent de la PAC, par exemple, qui est sale d'une autre saleté. Et c'est très important d'être fin sur les différents types de saleté. Le curseur du niveau de saleté. Voilà. Et ce que ça implique, et les implications à grande échelle sur la possibilité. Parce que là, sur les enjeux de la financiarisation, c'est un truc très précis. C'est la possibilité pour des paysanneries alternatives qui essaient de montrer, de pointer, ne serait-ce que la possibilité de l'existence d'un autre monde, de devenir l'alibi. C'est pas du tout la même chose d'être un marché de niche et d'être un alibi. Et donc c'est pour ça que là, il y a vraiment des enjeux pour moi qui sont hyper intéressants, où il faut qu'on s'éduque collectivement à ce que c'est la saleté de l'argent. J'amènerai une autre réponse aussi, c'est là où est toute la pertinence des ouvrages low-tech et de l'attitude paysanne, en fait, de dire, en fait, par
ma pratique agricole consciente du vivant autour de moi, déjà, je fais une bonne partie du travail. Et par exemple, est-ce que planter une haie, est-ce qu'il faut absolument beaucoup de financement, ou est-ce que je peux, comme on l'a fait sur la ferme un jour, je vais chercher un peu des petits arbres au bord d'une haie déjà existante, et puis je les plante, et je fais peut-être pas toute la ferme en une année, mais j'en fais petit bout par petit bout. Et en fait, est-ce que vraiment il y a besoin de beaucoup d'argent pour arriver à nos fins, plutôt que d'essayer de décider quel est le bon argent et le mauvais argent à prendre? C'est évidemment que l'argent est toujours sale ou cacabeurre, comme tu dis, c'est pas la question, c'est pas du tout une question morale, c'est pas de se sentir propre ou pas avec soi-même, c'est une question de stratégie politique, de quelles alliances à un moment donné sont pertinentes, nous servent la cause ou la desservent. Et sauf que ces questions au cas par cas de quelle stratégie politique on suit, on peut pas les penser si on n'a pas une hypothèse un peu globale. C'est qu'on est évidemment perdu où se mêlent les questions morales, les questions techniques. L'alimentation, ça crée des affects hyper puissants et ça permet des alliances qu'on n'arriverait absolument pas à tisser en dehors de ça. Comment on crée des réseaux de bouffe alternatifs, indépendants du marché, pour affronter les... Et bref, voilà, donc c'est juste pour dire, c'est pas du tout une question de saleté ou de propreté de l'argent, mais vraiment de penser des alliances. Et pour penser ces alliances efficacement, il faut une stratégie à plus que à voir à très court terme, comme on se plante des haies ou des choses comme ça. Ben en fait, il y a une réalité aujourd'hui, c'est que ça reste quand même l'Europe et ça reste la PAC. Elle n'est pas assez verte à nos yeux, c'est évident. Mais quoi qu'il en soit, notre réalité, c'est que chaque fois qu'on fait une mare, chaque fois qu'on plante des arbres, chaque fois qu'on réouvre un ruisseau, l'année d'après, sur la déclaration de Pâques, ces habitats viennent d'apparaître. Et on se retrouve dans des espèces de trucs très ambigus, où on récupère des alertes environnementales en disant « Vous êtes sûr qu'il y a un ruisseau là? Qu'est-ce qui se passe ?» Puis ensuite, le ruisseau, il est là. Donc en fait, réglementairement, aujourd'hui, le ruisseau, il prend une existence juridique. La haie prend une existence juridique. Et plus la PAC, alors en ce moment, c'est peut-être un peu mal barré, ils n'ont pas toutes déconstruites, jusqu'à preuve du contraire, plus la PAC se verdit, et plus en fait, vous pouvez, une fois que vous avez planté un arbre, c'est bien la raison pour laquelle d'ailleurs la plupart des agriculteurs ne plantent pas d'arbres en fait. Ils sont totalement conscients de ça. Si vous plantez, vous ne pouvez pas l'enlever. Donc, nous, en fait, en y allant, en transformant nos paysages par nos modèles agricoles, on s'engage dans quelque chose qui, d'une certaine manière, modifie durablement le truc. Moi, c'est notre plus gros frein sur la ferme. C'est-à-dire qu'il faut aussi passer la barrière psychologique de se dire, tiens, cette parcelle qui est magnifique, bien droite, pour un paysan, on va l'amputer de 2000 m² et la terminer en triangle, quoi. Alors que mon grand-père, il a ouvert pour le remembrement, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, en fait, voilà, c'est ces choses-là qui font qu'à mon avis, ça s'inscrit un peu dans le marbre. Est-ce que vous avez remarqué que presque chaque personne qui est intervenue jusque-là a évoqué la question de la transmission des fermes et de l'installation? Car finalement, œuvrer pour créer des fermes paysannes et sauvages, c'est autant favoriser l'installation de jeunes qu'accompagner l'ensauvagement de fermes existantes. Je vous partage maintenant les mots de Perrine, qui montrent à quel point Paysans de Nature a à cœur d'accompagner la naissance de fermes. Et je vous laisse avec le témoignage de Lorraine, naturaliste de 28 ans, qui a un projet agricole collectif et dont la vision et la démarche m'ont énormément parlé. La reprise foncière est un axe important de Paysans de Nature. En Marais Breton, on est passé de 200 hectares au début des années 2000 d'espaces à vocation écologique qui étaient gérés par des collectivités ou par la LPO avec des paysans dessus, qui sont loués à des paysans, à maintenant un millier d'hectares qui sont des fermes du réseau. Et ça, on l'a fait en favorisant cette installation de jeunes
Et alors, ça passe par plein de choses. Animation foncière et territoriale, ça suppose d'avoir des moyens mobilisés pour veiller sur le foncier et pour être en contact avec les chambres, les SAFER, les porteurs de projets. On a eu aussi un gros outil de mobilisation financière. On a développé le prêt à taux zéro de citoyens qui ont donné des coups de pouce pour des installations, des paysans et des citoyens qui ont donné des coups de pouce. On en est à peu près à 600 000 euros de prêt à taux zéro mobilisés pour l'installation. Donc là, c'est pareil, on a des outils, c'est encadré par des outils juridiques en fait. Une des créations du groupe local Marais Breton, c'est une filière de valorisation de la viande bovine de maraîchine, qui est une vache race menacée et qui n'est difficilement valorisable en circuit long parce qu'elle est mal conformée, mais comme souvent les races anciennes. Et du coup, on a créé, en plus des circuits courts, une filière d'approvisionnement des biocoops, des restos et des cantines en viande locale, bio, issue d'élevages qui sont favorables aux biodiversités domestiques et sauvages. Et puis on a aussi, alors les alliances dont parlait Baptiste, c'est hyper important pour nous, c'est-à-dire que tous les prétextes sont bons pour faire des alliances, notamment entre les gens. On fait beaucoup de fêtes, des fêtes agriculturelles, on fait beaucoup de chantiers collectifs, on accueille des jeunes dans les fermes, quand on fait de l'inventaire naturaliste, c'est-à-dire que quand les associations du territoire font de l'inventaire naturaliste, ils invitent les paysans à ces inventaires, que ces inventaires aient lieu sur des fermes ou en dehors des fermes. Moi, je suis une naturaliste, enfin, je viens du milieu de la protection de l'environnement, j'ai fait des études dans ce domaine-là et j'ai travaillé dans ce domaine-là. Mais assez rapidement, j'ai acquis la conviction que préserver les milieux naturels, ça passait avant tout par un changement de pratique agricole. C'est d'ailleurs ce qu'on passe notre temps à nous rabâcher quand on fait des études dans le milieu de l'environnement. Mais je me sentais pas vraiment légitime à travailler dans une structure de protection de l'environnement et de conseiller les agriculteurs et agricultrices sur qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger les petits papillons et les oiseaux, alors que j'avais aucune connaissance des enjeux agricoles. Et donc assez rapidement j'ai commencé à m'intéresser plus précisément à ce sujet-là, et de fil en aiguille a commencé à naître un projet d'installation. Donc depuis, j'ai fait un BPREA, donc le brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Et donc aujourd'hui, j'ai un projet d'installation en agroforesterie, polyculture, élevage. Enfin voilà, j'aimerais en tout cas plusieurs productions qui se répandent sur la ferme. Mais j'ai quand même envie de garder ma casquette de naturaliste. Donc voilà, aujourd'hui, je travaille en tant que saisonnière agricole et en tant que naturaliste. Voilà, j'alterne entre ces deux casquettes-là. Donc il y a eu cette zone humide qui a été recréée sur la zone du Grand Laval, et on a vu apparaître tout un tas d'espèces liées au milieu humide, notamment on a eu du chevalier gambette, qui est une espèce qui, entre guillemets, n'a rien à faire là. Donc voilà, et en travaillant sur cette ferme, j'ai pu me rendre compte à quel point c'était un bonheur incroyable en fait de travailler, même si le travail il est dur, même s'il y a énormément de choses à faire, même si on a une charge mentale énorme, et encore moi j'étais que salariée, donc mais je peux entreapercevoir ce que c'est que la charge mentale de travailler sur une ferme. Et malgré tout, voilà, je me rends compte à quel point travailler sur une ferme qui accueille le vivant, c'est voilà, ça apporte beaucoup de joie, et rien que ça, moi ça me motive. Et là pour l'instant, donc moi j'aimerais trouver des associés, j'aimerais trouver du terrain, enfin évidemment, mais en tout cas, je ne me vois pas m'installer seule. Et tant que je n'ai pas de concret, on va dire, je n'ai pas le terrain et les associés, en gros, ben, je peux continuer à rêver et imaginer le projet idéal. En réalité, je sais très bien qu'il faudrait que je fasse des compromis. Et tant pis, en fait, c'est aussi motivant de se dire, bon, ben voilà, maintenant, tu as ça, tu as cette base. Et aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est de garder le rêve. Et tu vas avoir plein de gens qui vont te dire, mais non, mais c'est pas possible. Tu dis que tu veux t'associer, on te dit, bah oui, mais le facteur humain, c'est hyper compliqué. Oui, bah je suis au courant, le facteur humain, c'est hyper compliqué, mais s'installer seul, c'est aussi hyper compliqué. Tu dis que tu veux t'installer dans la Drôme, on te dit, mais dans la Drôme, il n'y a pas d'eau. Enfin, en gros, les gens, ils sont très motivés pour casser ton projet. Et ça, c'est... Enfin voilà, faut vraiment y croire à son rêve pour tenir malgré toutes ces critiques. Après, quand tu t'entoures de gens comme là, les personnes du réseau Ferme Paysanne et Sauvage, là je fais aussi partie de groupes de femmes paysannes. Voilà, c'est des groupes qui sont beaucoup plus bienveillants et qui
vont plus avoir tendance à croire en ton projet, et pour moi c'est essentiel. Moi j'ai fait une école d'ingénieur agronome, étant passionnée par la nature, je voulais protéger la nature étant petite, voilà, je lis la Hulotte depuis que je sais lire, tu vois, et j'ai une prof qui m'a fait lire Le Monde selon Monsanto, et je me suis dit, c'est en faisant des études d'agriculture que je pourrais, enfin c'est l'agriculture qui permet de régénérer le vivant, quoi, en grande partie. Et du coup, j'ai fait des études d'ingénieur agronome et je me suis éloignée de la nature en faisant ces études-là. Et en allant à la ferme du Grand Laval, j'ai eu un retour à ma petite fille intérieure, vraiment, de c'est ça que je veux, quoi. Je sais qu'un jour, je vais m'installer. Je sais pas quand, mais j'aimerais garder un peu de journalisme, de podcast et de temps, vraiment, pour observer la nature, quoi. C'est vraiment le... Je trouve que c'est pas évident de trouver un équilibre entre la coproduction agricole et puis le fait d'observer le vivant, de prendre ce temps-là, tu vois, de s'asseoir 5 minutes. Moi, c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'ai envie de garder une casquette naturaliste professionnelle, parce que je sais que si ce n'est pas inclus dans mon modèle économique, je risque d'avoir énormément de mal à trouver ce temps-là, alors qu'en réalité, ça me passionne et j'ai envie, enfin, moi, d'avril à septembre, tu me vois rarement dehors sans mon fil à papillon. Et voilà, donc j'aimerais bien monter typiquement un club CPN sur ma ferme, connaître et protéger la nature, je sais pas si ça te parle. La vérité, c'est que c'est pas tant que j'adore faire de l'animation avec les enfants, c'est surtout que moi, les ateliers que je vais leur proposer, j'ai envie de les faire moi. J'ai envie de me balader dans mes prairies avec mon fil à papillon, j'ai envie de réfléchir à quelle bestiole j'ai chez moi, quel est leur lien avec la production que j'ai, avec les milieux naturels sur ma ferme. Et voilà, et l'idée de l'inclure dans mon modèle, c'est aussi voilà, l'idée de pouvoir continuer à le vivre. Bon alors, vous m'aurez vraiment beaucoup entendu parler dans cet épisode, mais c'est vraiment important pour moi d'expliquer chaque petit détail de toutes les étapes qui permettent le réensauvagement paysan. Et il faut imaginer que la dernière partie de cette journée était consacrée aux échanges entre groupes par secteur géographique dans l'idée de faire émerger des groupes locaux. Et oui, c'était toute l'idée de ces rencontres. Je vais vous épargner le brouhaha ambiant dans l'amphithéâtre à ce moment, et je vous partage simplement les questionnements qui ont émergé dans les discussions. Avec quelle structure se relier localement? Est-il essentiel de faire un inventaire de la biodiversité? Comment le faire et quels sont les autres moyens de rendre compte de l'évolution du vivant sur la ferme? Que faut-il pour faire prendre la mayonnaise dans un groupe? Est-ce que c'est dur de trouver des naturalistes pour les faire venir sur les fermes? Comment impliquer les consommateurs, les mangeurs, les mangeuses dans les fermes? Quelle cadence de visite à la ferme en fonction des rythmes, des saisons des fermes? Comment organiser une visite? Est-ce que ça prend du temps? Ou encore, comment impliquer les collectivités territoriales? À la fin des échanges, chaque groupe devait décider d'une date de rencontre après la journée du 22 février et définir un moyen de communication au sein du groupe. Vous trouverez en description de l'épisode la liste des référents par secteur géographique. Ce qui est super chouette, c'est de savoir que les groupes Sud-Ardèche, Diois et Isère se sont déjà constitués et ont organisé des rencontres ou des visites de fermes dans le réseau des fermes paysannes et sauvages. Je demande à Maxime et Mathieu de me donner leur avis du mot agroécologie et plus généralement de la manière dont les mots sont utilisés et parfois kidnappés. Et puis je demande à Elsa, qui a mis beaucoup d'énergie dans l'organisation de la journée, comment elle se sent à la fin de l'événement. Dans l'agroécologie, il y a quand même une sacrée brouette de conneries. Hein. On met beaucoup de conneries sur beaucoup de mots maintenant, de toute façon. Mais... Le terme agroécologie peut aussi être pratique en termes diplomatiques pour s'adresser quand on parle dans des instances avec des personnes, que ce soit au ministère de l'Agriculture ou autre, qui comprennent que ce mot est pour qui d'autres mots peuvent être beaucoup plus braquants, tels que ceux de paysannerie. Donc c'est un mot qui est pratique pour expliquer certaines pratiques à un certain public. Mais effectivement, je pense que le sens en a été tellement détourné
à beaucoup d'égards qu'on l'utilise, nous, de moins en moins. En tout cas, ce n'est pas un mot qui nous parle. Quand tu me dis est-ce que c'est de l'agroécologie et tout, oui, mais je n'emploie jamais ces mots, de fait. Après, là, pour l'agroécologie, c'est peut-être trop tard, mais aussi, il y en a un peu marre de se faire kidnapper et machiner notre sémantique par... le vivant, notamment. Le vivant, c'est vrai que c'est des termes qui sont tellement... Mais du coup, il y a un vrai enjeu à se le réapproprier et à se battre contre cette captation. Ta question initiale sur l'agroécologie, tu peux me la reposer, parce que peut-être que j'avais... Est-ce que ce que vous faites, enfin, le fait de réensauvager la ferme, c'est de l'agroécologie? Parce que moi, tu vois, agroécologie, évidemment, c'est tenir compte du fonctionnement des écosystèmes. Pour moi, dans l'agroécologie, il y a un peu le principe écomimétique de mimer un fonctionnement écosystème, enfin, de comprendre qu'on est dans un agroécosystème. Et c'est un joli mot. Et voilà, on est parfois méfiant parce qu'il a été capté, mais c'est pas un mot à abandonner pour autant. Et là, comment tu te sens alors, du coup, cette fin de journée? Là, moi, je suis hyper contente parce que quand on a fait les petites restitutions des groupes, en fait, il y a des gens qui ont dit « on s'est donné rendez-vous en avril, on s'est donné rendez-vous en juin. » Et en fait, je me dis en fait, c'est lancé et en fait, il y a des choses qui vont se passer, il y a des groupes qui se créent, quoi. Alors après, ils seront peut-être plus ou moins dynamiques, ça fera plus ou moins des trucs, mais c'est bon, quoi. Et en fait, c'était exactement ça le but de la journée. Moi, je suis complètement satisfaite. Je suis très contente de ça. Et puis après, il va y avoir l'après. Et je me dis, est-ce que dans un an, on se réunit pas ici ou ailleurs, ou tu vois, j'en sais rien. Et puis on fait un bilan. Et je pense que la question de, par exemple, de le nous, elle, en fait, on l'a posée. On voyait bien que ça marchait pas parce qu'en fait, il y avait pas encore les petits groupes. Mais si on se revoit dans un an, peut-être qu'il y a plein de petits groupes qui seront nés, des vrais, qui auront un nom, qui fonctionneront. Et dans ce cas, le nous, peut-être qu'il aura une réponse, quoi. Voilà, c'est toujours la prochaine étape, c'est quoi? Ouais, c'est ça, allez, on y va. Donc c'est cool, c'est top. Et est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner aux gens qui ne sont pas venus et qui souhaitent tisser des liens dans leur région et créer une antenne comme vous avez fait? Ouais, bah alors soit se mettre en lien avec du coup les personnes qui étaient là dans leur secteur géographique, ou alors on peut discuter par téléphone ou on peut se rencontrer si jamais il y a moyen. Et puis après il y aura le compte rendu et puis qui se lance, en fait, tu vois. On a bien vu que tous les groupes qui se sont créés ont commencé avec 3, 4, 5 fermes. Et puis, petit à petit, c'est monté. Commencer petit, quoi. Ouais, parce que en fait, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça marche, quoi. Ouais. Commencer petit avec un ou deux naturalistes, et puis après, on en voit, et en fait, ça prend de l'ampleur, et c'est chouette. Une dernière petite question. Est-ce que tu peux nous raconter une de tes dernières rencontres avec des êtres vivants sur la ferme qui t'a fait du bien, qui t'a émerveillé, qui t'a... Voilà, des... Ah ouais. En fait, ce que je trouve chouette, c'est quand on fait du tracteur. En fait, on fait des allers-retours avec une grosse machine qui fait plein de bruit. Et là j'avais le gros avec une cabine et tout ça. Et en fait, les oiseaux, ils ont pas peur du tracteur. Et on les voit jamais d'aussi près que sur un tracteur. Et donc, ils sont des fois juste devant la grosse roue, juste à côté. Je passe à côté. Ils bougent pas, en fait, parce qu'ils viennent... j'étais en train de labourer. Et donc, ils viennent manger les vers de terre, tout ce que j'embête dans le sol. Et moi, les oiseaux, je les vois, à part des pies, ou même les corneilles, elles restent beaucoup plus loin. Je les vois pas d'aussi près. Là, c'était des ronds garde-bœufs. Il y en avait plein. Des fois, il y a des petites bergeronnettes ou des trucs comme ça, des buses. Et c'est vraiment chouette, quoi, de les voir d'aussi près. J'en ai vu un qui gobait un campagnol, mais qui était aussi gros que sa tête. Je disais, mais en fait, c'est incroyable que, de le voir, quoi, d'aussi près, de pouvoir identifier l'animal qu'il est en train de manger. De voir l'interaction en direct. Ouais, petite interaction, la dernière, que je trouvais chouette. Alors, comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode?
Je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer à développer mon travail, vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee Agroécologie Voyageuse. Une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast Agroécologie Voyageuse sur Instagram. Si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique, le Mycélien. Tous les liens sont dans la description du podcast. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas expert, soyez vers de terre.